Bonjour et bienvenue. Je suis Julian Armour, directeur artistique et général de Musique et Autrement. Bienvenue à la série Musique et Droit, animée par le très honorable Beverly McLaughlin, qui vous racontera une histoire étonnante au sujet du grand Bach lui-même. Dans cet épisode, vous entendrez deux morceaux de l'Orgelbüchlein de Bach, interprétés par l'organiste Matthew Larkin, sur l'orgue de Dominion Chalmers. Je laisse maintenant la parole à la très honorable Beverly McLaughlin. En 1708, Bach n'avait que 23 ans lorsqu'il a été engagé comme organiste de la cour dans la ville de Weimar. Par la suite, il fut nommé directeur musical de la cour ou Concertmeister. Malgré cela, Bach était encore relativement sans pouvoir dans son poste. Et lorsqu'un autre compositeur fut promu avant lui, il démissionna pour chercher un meilleur poste ailleurs. Mais à cette époque, un serviteur de la cour ne pouvait pas simplement quitter son poste. C'était la prérogative du prince de Weimar qui rejeta sa démission. Après plusieurs tentatives de quitter le poste, Bach en eut assez de rejet et se montra un peu trop indigné au goût de l'autorité. En guise de punition, le prince de Weimar l'emprisonna pour un mois pour lui faire la leçon sur le respect de l'autorité de son souverain. Bach demeura têtu et furieux face à cette situation tout au long de son emprisonnement. Lorsqu'il fut libéré, il obtint finalement l'autorisation de quitter la cour avant de déménager sa famille hors de Weimar. C'est à cette époque que Bach a élaboré le cycle pour orgue connu sous le nom d'Orgelbüchlein, dont nous allons à présent entendre un extrait.